Elisa. Elisa! Eh oh, on se réveille là-dedans! Il y a le monsieur à servir là-dedans. Une autre tasse, monsieur? Pourquoi travaillez-vous ici? Faut bien travailler. C'est pas comme si j'avais le choix. Vous me semblez être quelqu'un de bien. Prendrez l'addition, s'il vous plaît. Oui. C'est à vous de trouver le bon chemin. Qui es-tu? Comment es-tu rentré dans ma demeure? Lâche-moi! Allez! Garde-moi, mon ange. Maintenant, tu vas me dire la vérité. Bien sûr, maîtresse. Qui t'envoie? Personne m'a envoyé. Comment es-tu rentré ici? J'en sais rien. J'ai ouvert un livre qu'un homme étrange a laissé. Et me voici. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai simplement hypnotisée. Je voulais être certaine que tu n'étais pas ici pour me tuer. Mais maintenant que je sais que tu n'es plus une menace, je veux bien t'accorder une certaine... liberté. Tu as parlé d'un livre magique? Magique? Tout ce que je sais, c'est que je me retrouve ici sans savoir ce qui m'arrive. J'ai rien demandé. Je veux retourner chez moi. Je vais te laisser partir à une condition. OK. Laquelle? Emmène-moi avec toi. Je pense pas que ce soit possible. Moi-même, je sais pas si je peux sortir d'ici. C'est quand même cher. Tu vas devoir rester avec moi et me servir. Mais t'es folle! Fais attention quand tu me parles. Je suis ta maîtresse. Tu me dois obéissance et respect. Compris? Oui, maîtresse. Approche à présent.
Va dans l'autre pièce. Je m'en charge. Bien, maîtresse. Vous allez bien, chez Demoiselle? Excusez-moi d'être entrée sans autorisation. Je voulais pas vous déranger. J'ai eu une grosse journée. Pardon, vous... Appelez-moi Lou. Monsieur Lou. Je suis votre hôte et vous êtes mon invité. Les excuses ne sont pas nécessaires. Un masque? Mais tout le monde porte un masque, ma chère. Même vous. Alors comment vous faites pour avoir confiance en quelqu'un? Oh, je ne sais pas. Mais c'est ce qui fait la beauté du monde, non? Si vous savez tout à l'avance, il n'y a plus de surprise. Quel est l'intérêt d'ouvrir un livre si vous en connaissez déjà les pages? La photo? Elle est pas bonne? Ah, ouais, c'est pas ma meilleure. Je devais être trop empressé de vous prendre. Non, non, la photo est belle, mais... Vous avez le droit à votre opinion, vous savez. Pour plusieurs personnes, la photographie, c'est pas un art. Pourtant, la photographie est en symbiose avec tout ce qui nous entoure. Elle nous permet de transmettre une vision du monde. Si chacun percevait ce monde en oubliant les préjugés, ben le spectacle qu'il peut nous offrir ne serait que meilleur. Mais bon, on peut peut-être en parler ailleurs, si vous voulez. Dans un café, peut-être? Désolé, je voulais pas vous offenser, je... Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis nouvelle, je reviens d'un... voyage. Excuse-moi, j'étais dans l'une. Qu'est-ce que tu disais? C'est pas important. Je parlais de ma vision de la photographie. Mais puisque t'es nouvelle, je peux peut-être te montrer quelques techniques. Oui, je veux bien. L'important, c'est de pas centrer le sujet. Il existe une règle qu'on appelle la règle des tiers. Voyez le couple là-bas? L'important, c'est de cadrer le couple au tiers de l'image. Sur le tiers de l'image. Comme ceci. Essayez maintenant. En tout cas, on ne pourra pas dire que tu seras une grosse perte pour le resto.